les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi. J'espère que vous avez la pêche et que tout ira bien, bien évidemment. Il faut se bouger des fois le popotin un petit peu. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci d'être aussi présent sur la chaîne. Vraiment, c'est un bonheur et un honneur de vous avoir avec moi. Donc, je vous en remercie infiniment. Alors, on va attaquer une vidéo aujourd'hui un peu rigolote. On va pas faire dans la monotonie. On va attaquer une vidéo sur la briquette et sa Pompadour. Alors, vous ne savez pas qui est la Pompadour. C'est cette personne que l'on appelle au sein du palais la Pompadour. Tout le monde l'appelle comme ça. Je pense qu'on va quand même se kiffer un petit coup. Avant cela, je voulais vous montrer deux, trois choses. Vous savez que j'aime bien partager avec vous des choses de magie. Il y a une baguette que je vous ai pas montrée. C'est une baguette qui me suit depuis plus de 12 ans maintenant, dans mes rituels. Donc tout ça, j'ai eu à part celle-ci qui est de Marc Neu qui m'a fait lui-même. Mais vous voyez, je voulais vous montrer. Alors ça, c'est de la coupe des fées. Hein. Donc ça aussi, j'ai depuis pas mal de temps. Voyez-vous, hop, voilà. D'accord, c'est un atamé. Donc, pour mes rituels, c'est de la lame de Damas, voyez-vous. Donc, c'est pas n'importe quoi sur le sujet. Vraiment avec du bois de rose. Vraiment, c'est très, très, très beau et très, très bien fait. Ça, vous le retrouvez parce que je vais aller voir sur la coupe des fées. Et il en a toujours de ce genre d'atamé qui sont des œuvres exceptionnelles. Attendez, je le remets dans son étui pour ne pas le perdre. On coupe rien avec, hein, je vous rassure tout de suite. C'est pour les rituels, notamment en cabale, puisque je les utilise pour mes rituels cabalistiques. Ensuite, bon, ça je vous l'avais déjà montré, c'est la baguette de Marc Neu qu'il a fait lui-même. Donc, je vous rappelle que Marc est un ami, voilà, un mage exceptionnel. Voilà, ça c'est lui qui l'a fait de ses petites mimines. Et à la coupe des fées, attendez, je mets ça sur le côté si vous me permettez. Et ceci, alors je vous la présente. C'est ma baguette que j'ai depuis plus de 12-13 ans. Maintenant, j'avais pris à la coupe des fées à l'époque. Voilà, c'est la baguette que j'utilise, vous voyez, elle n'est pas très longue, hein, que j'utilise pour tous mes rituels. Celui-ci me suit de partout depuis pas mal de temps. Si vous allez voir sur le site de la coupe des fées. Alors, dans la barre de communauté, je vous ai mis donc le site de la coupe de fées et vous verrez en dessous, il y a un autre lien pour le grimoire. C'est gratuit, hein, bien sûr. Où vous pourrez aller piocher des idées si vous avez envie d'apprendre la magie. Voilà, donc celle-ci, je crois qu'elle y est encore aussi sur son site. D'accord, je l'utilise depuis plus de 12 ans et elle me suit de partout. Voilà, je vous ai au moins présenté quelque chose en magie. Des choses qui sont essentielles pour moi. Gardez, parce que j'ai une armoire secrète derrière moi, voyez-vous, je mets tout avec des petits tiroirs, tout ça, fait tout ce qu'on aime dans ce domaine, d'accord? Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de briquette avec sa Pompadour. Qui est la Pompadour? Eh bien, on s'est rendu compte que, donc ce personnage très connu hein, dans le monde médiatique, il se prénomme Bernard, dit le mont, Poyel, vous comprenez? Voilà, vous essayez de garder ça pour vous. Et on va aller voir quelles sont les relations entre Briquette et lui, parce que ça commence à jaser beaucoup. Ce garçon, pour moi, alors on va aller voir s'il y a des échampoismes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec la Briquette, tout simplement? Alors, j'ai pris le tarot mystique aujourd'hui, hein, je vous le montre. Pourquoi le tarot mystique? Parce que je trouve que ça va bien avec ses frappadingues. D'accord, je pense que c'est, voilà. Donc, on va aller voir s'il s'occupe de son lifting, hein, voilà. On va aller voir s'il s'occupe de son panty, tout simplement, voilà. On ne sait jamais, peut-être qu'il lui remontre les rides, tout simplement. Allez, ah, d'autres choses. Il y a eu, alors je crois que c'est ce week-end ou dans la semaine, je ne sais plus, à voir, il y a eu bien le Global Citizen à Paris, hein. Donc, vous n'allez qu'à voir tous les artistes qui étaient là. Eh ben, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo concernant le global. Ce sont tous des gens qui sont pour la globalité, voyez-vous, la globalité. Et surtout qu'on nous enferme bien à triple tour. Donc, vous irez voir ça de plus près. D'autre part, Bricaton s'est quand même fait huer. Ce qui n'est pas plus négligeable. Donc, allons-y.
Quels sont les rapports entre briquette et cette Pompadour? Voilà. Alors, je vous en reparlerai lundi. Vous savez, quand j'ai une entreprise qui a travaillé chez moi, je vous en parle, les enfants. Hein. Toujours, hein, je vous en parle. Donc, c'est Valence Climatisation qui m'ont fait la clim. Alors, je n'ai pas de royalties. Quand je vous parle de quelque chose, je n'ai jamais de royalties. Mais quand je suis contente, je préfère vous le dire. Voilà, donc tous les gens qui habitent la région, parce que je sais qu'ils ne se dépassent pas loin de Valence, hein, aux alentours, n'hésitez pas à y aller parce qu'alors ils ont été hyper pro, vraiment hyper pro, de chez hyper pro. Alors là, je suis contente. Je suis moins contente de mes fenêtres, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Ils viennent lundi pour tenter de résoudre le problème. Si c'est pas résolu, je vous dirai clairement, vous me connaissez, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je vous dirai, je ne suis pas contente de cette entreprise et je veux que ça se sache. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas contente. Ils considèrent un peu les femmes comme de la quantité négligeable. Voyez-vous, comprenez ce que je veux dire par là. Voilà. Je vais discuter avec votre mari. Et oui, et moi quoi? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va avoir une discussion un petit peu houleuse ce lundi. Donc, allons voir. Qu'est-ce qu'il a à voir ce Bernard la Pompadour avec la briquette? Vous savez, il va sur... Cyril Bouffe-Caca là-bas, d'accord, il va très souvent comme chroniqueur sur place, bien évidemment, pour écouter tout ce qui se dit et rétablir une certaine vérité, bien évidemment. Voilà, enfin, c'est comme ça, c'est comme si, vous voyez ce que je veux dire. Alors, nous prend encore pour des anguilles, hein, voilà, non, tout azimut. Alors, vous allez à la chasse à quoi ce week-end? Vous allez prendre du bon temps, j'espère. Oh, mon proche de boire l'apéro, bah oui, moi j'aime bien, je suis pas picolette, mais le week-end, j'aime bien prendre du bon temps. Voilà. Donc, c'est comme ça, et c'est pas autrement, puis ça va pas changer. Et puis, si on veut me faire faire le contraire, je m'en tape le coquillard. Alors, le Bernard dit le monde qui n'a plus de gueule. Ah, nous sommes bien dans le poudré. Donc, c'est bien ce que j'ai d'entrée de jeu. Il est d'un côté et de l'autre en même temps. Il aime les deux, les trois, les échanges, la totale, voyez-vous. Ouais, c'est cela. Donc, un coup avec des talons hauts, avec un coup avec des talons plats. Ça vous va comme réaction? Hop. D'accord? Un coup avec des talons hauts et des talons plats. Tiens, il y a quelque chose qui se termine pour lui. Changement radical. Ah, je vois dans les tabloïds. Ah, très intéressant ça. Dans les tabloïds, en ce qui le concerne, il faut que je mette ça là, tout simplement. Voilà. Dans les tabloïds, je vois qu'il va avoir de sérieux problèmes où on va lui sortir un enfant caché ou un truc comme ça qui va le mettre à mal. On va voir aussi également qu'il a touché beaucoup de pots de vin, d'accord, tout simplement, il a bouffé dans le... on va lui trouver le doigt dans le pot de confiture, exactement, voyez-vous. Là, parce que là, finalement, on a vraiment quelque chose de caché en ce qui le concerne, et en fait, c'est, la Matahari du palais, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai une vue absolument magnifique qui donne directement là-bas sur le Vercors. C'est juste splendide. Bon, bah écoutez, là, ça ne va plus pour lui. Il va se produire un événement clé. Voilà, donc rien ne va plus. Bah, de toute façon, il y a la justice qui est en train de se préparer contre lui aussi. Parce qu'apparemment, tiens, vous voyez, je ne voyais pas ça du tout. Il va essayer de ne pas communiquer sur des ragots qui vont... Des ragots tweet-tweet, hein, oiseau bleu ou autre chose. Non, je dirais plus sur le média, vous savez, qui n'a plus de part. Voilà. Des choses qui vont être révélées le concernant. Il y a une réussite pour lui dans un... Non, une réussite par rapport à ses révélations. Et il va être pris la main dans le sac et il ne saura plus comment faire. Donc, pour moi, il y a des révélations, des partes qui n'ont plus de ouze, ça vous va,
Ça vous va comme je dis, des parts qui n'ont plus de housse. D'accord, voilà, je pense pas qu'il tienne le chandelier, vous voyez, il est très très agile dans ce genre de domaine. Il dit lui-même qu'il sait pas être fidèle, mais bon, la fidélité, encore ça ne pose pas de problème, mais voilà, c'est le pot de Nutella, et puis, vous voyez ce que je veux dire, c'est le... c'est tout azimut, quoi, voyez-vous, sexy, sexy, pointeuil, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui est... Donc, il y a bien une création avec la briquette. C'est marrant parce que lui aussi, il va finir d'une façon tragique, ce garçon. Il va finir d'une façon tragique, hein, ce garçon. Véritablement, je vois un scandale médiatique arriver sur lui. Bien, je viens de vous le dire, comme une fille cachée ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais je vous dirais un gros scandale. Où il va être mêlé dedans dans une histoire de part qui n'a plus de housse, d'accord, dans pas en discothèque, hein, je dirais plus dans des placards bien bien fermés du palais, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, voilà, dans des pièces, oulala, ça chauffe, c'est chaud, d'accord, on va appeler tous les copains du coin. Alors ici, rupture pour lui. Quelque chose de rapide, enfin c'est quelque pas de rapide, je dirais, quelque chose qui arrive d'un seul coup, comme une procédure, ouais, j'ai quelque chose de caché en ce qui le concerne. Ah, bon, bah écoutez, ça commence à se présider. Ligne de coco, ça vous parle? Non, pas la potion, ligne de coco, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour moi, il y a des trappes point fixe. C'est comme s'il prenait sous le bras quelque chose, vous voyez, bien sûr, du paquet de sucre, voyez-vous, des paquets de sucre, oui, parce que c'est bien lui qui est à, voyez-vous, et on ne le sait pas encore, on ne le sait pas encore, mais pour moi, il, je dirais, il joue un double jeu, voilà, d'accord, là, pour moi, ça commence à parler sur le sujet. Il s'en passe des choses dans ce machin. Vous avez aussi, comment ça s'appelle aussi, l'organisation Accord, je sais plus le nom. Voilà, on leur a enlevé l'agrément, bien sûr, pour pas qu'ils puissent mettre anticorps. Ils ne puissent pas mettre le nez dans les affaires de, voilà, de Bricaton. Hein? Donc. Alors, projet. Alors, lui, il a un projet de quitter... de quitter la sphère française, d'accord, il a un projet, il y a bien quelque chose de caché en ce qui le concerne familial, donc voilà, moi je vois bien une fille cachée, il y a bien une fille qu'il n'a pas voulu reconnaître, ben, il ne prend aucune responsabilité, et il n'a pas voulu la reconnaître, mais elle existe vraiment, ben, je vous le dis quand même, et il va vouloir foutre le camp, sitôt Bricaton débarqué, il voudra foutre le camp pour vivre à l'étranger, d'accord. Donc ça c'est bien, ben, pour moi il y a, on sait au sein des Popo Lili Titi Queque qu'il y a des trafics de sucre en poudre, hein, d'accord, donc ça on le sait déjà, et ben il est au milieu pour moi. Ensuite il y a bien, attendez, ouais, mais il y a des moments où il est frappadingue aussi, ça fait partie des frappadingues, donc il fait bien partie du cercle machiavélique, hein. On y est bien vis-à-vis de la briquette qui le nourrit avec des chouchous, vous comprenez. En fait, c'est lui qui la briquette tire les ficelles pour qu'il amène les beaux paquets de sucre, d'accord, sur place. Là, ça me dit que par moment, il est aussi frappadingue. Bon, ben écoutez, dans ce monde-là. Mais pour moi, à un moment donné, il va avoir des gros soucis parce que ça va être révélé. Ça sera révélé et il est tout autour de ces gens comme le Gabriel à la gauche, le caviar et tous ces gens-là. À qui ils donnent des petits sachets de sucre en poudre, d'accord, pour sucrer leur café. J'essaye d'être zen, d'accord, voilà. Donc ça nous dit toujours pas. Ah ben si, on sait que maintenant ils donnent, ils achètent des sucres en poudre pour le palais, pour diffuser, voilà. Donc il y a communication, gestation, quelque chose qui ne se fait pas pour lui. Donc, à mon avis, c'est marrant, il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup. Alors, où il finit au fond d'un placard, tout simplement sous un évier, voyez-vous ce que je veux dire, dans un état compliqué.
Il a beaucoup d'ennemis autour de lui qui vont blablater sur lui et dire toute la vérité. Je vois quelqu'un qui va. Enfin, j'ai une nana, mais jeune, une nana jeune, assister à tout ça et je pense pour moi, elle va dévoiler au journaleux cette existence de tra.fic, de sucre en poudre. D'accord? De sucre en poudre. Vous voyez bien ce que je veux dire par là, hein? Ensuite, donc, eh bien, là, je vous le dis, surprise inattendue. Donc là, il y a une colère qui n'est pas encore sortie, mais pour moi, c'est une colère autour de lui dans les renés qui n'ont plus de sens. Mais aussi, ça me dit clairement au niveau du pognon, il y a de l'argent, des gens qui n'ont pas touché leur part. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ouais, il y a quelque chose qui va sortir, si vous voulez, qui n'est pas encore dévoilé. Ça, je peux vous l'annoncer. Mais ce sera dévoilé chez les journaleux, tout comme on a su le palme qui n'a plus de le pal qui n'a plus de mad, d'accord? Tous ces gens-là ont été pris la main. Mais lui, je vois pas avoir d'accident. Je vois plus s'écrouler. Voilà. Il y a un autre présentateur d'une chaîne, vous savez, qui s'occupe d'Imo.Bilier, qui a eu ce prénom Stéphane, qui a eu le même problème sur scène où il s'est écroulé. Ben écoutez, continuez d'abuser des bonnes choses, enfin de vos bonnes choses, et pas les miennes. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, mais là. Donc, ils croient qu'ils peuvent tout gérer. En fait, ils se croient tous au-dessus de tout. Hein. Nous, on n'a droit à rien, mais eux, ils ont droit à tout. Hein. D'accord? Et là, ça me le dit clairement, projet. Ouais, mais ils veulent faire quelque chose. Ah ben, il y a une trahison. Et on va apprendre que Bricaton, on va apprendre qu'il est bien le fournisseur royal du sucre en poudre pour Bricaton et toute sa clique. D'accord? Voilà, ben dis donc, que de sucre en poudre. Hein, il ne faut pas être diabétique. Hein, d'accord? Voilà. Oh là 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 là, ça m'a chauffé de chez chauffé. Hein? Alors, ici nous avons un projet. Alors, ah d'accord, il va se disputer. Il avait un projet, on va voir lequel. Il avait un véritable projet avec une association, avec quelqu'un. Ben écoutez, ça va. Ben écoutez, j'ai quand même la prison qui est annoncée pour lui, ou tout au moins la garde à vue, mais sérieuse en ce qui le concerne. D'accord? Donc pour moi, il va être pris la main dans le sac du sucre en poudre, sniff, sniff. D'accord? Et là, ça me dit que le projet, l'alliance, c'est une question, tout va sortir. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas être pour ou pas pour une personne, je pense au gérard.faute.ré. J'avais fait une vidéo, je crois, sur le sujet. Je ne suis pas pour ou contre. En fait, si vous voulez, moi, chacun pense ce qu'il veut. J'avais vu où ce qu'il disait était la vérité. Et là, ça confirme. Je vais même vous dire, ce ne sera pas le seul. Il y en aura d'autres qui seront impliqués là-dedans. D'accord? Alors, on va aller voir quels sont les rapports entre lui et Briquette. Parce que là, on a compris qu'elle s'en servait comme d'une marionnette. Voilà, il paraît qu'elle est toute excitée sur la piste de danse, pendant que des gens se font estourdir à Bordeaux ou ailleurs, voyez-vous. Voilà, ben, pendant ce temps, on fait la fête de la musique et on danse. Voilà, quelle empathie fabuleuse. Donc, quels sont les rapports entre la Pompadour et la Briquette? Quels sont les rapports entre Bricaton et la Bricatonne? Donc c'est bien une histoire de travail. Il y a une osmose entre les deux. Donc il y a bien un travail. Hein. Il y a quelque chose au niveau professionnel. D'accord. Donc nouvelle sous retard, solitude, projet. Ben, c'est pour des raisons financières et pour voilà. Donc il est là pour fournir. Le sucre en poudre, les amis. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il est là uniquement pour fournir le sucre en poudre. D'accord? Donc, bah, écoutez, on le sait. On va voir quelle sera sa finalité. C'est vrai qu'on savait qu'il avait un penchant pour les animaux, peut-être. Hein? C'est ce que j'ai cru croire.
D'accord? Peut-être qu'il aime bien un cheval ou un âne très, très en. Comment dirais-je? Très chaud, voyez-vous? Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Hein? Ouh, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. D'accord? Quelle est sa finalité à ce personnage? Alors, quel est donc le problème de judiciaire, je vous l'ai dit, travaille donc par rapport à la briquette. Donc, dans un premier temps, tout va bien. Colère, les pensées, colère par rapport à les pensées, contrat, victoire pour l'instant, mais pour l'instant, mais plus tard, il finira mal. Donc, pour l'instant, je vois avoir des problèmes judiciaires sous retard. D'accord? Ou juridique, oui, judiciaire sous retard. Ça me dit qu'il y aura des implications et compagnie. Bon, ça fait partie un petit peu du temps de Yves qui en avait l'air dans les années 40, où effectivement, il y a eu des colas point point bobo qui étaient impliqués à l'intérieur. Ben, je pense que c'est ça qui va se produire. Ben, écoutez, il devra rendre des comptes après, ou pas du tout, ouais, ou d'une façon tragique. Voilà. Donc les amis, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Enfin, moi, je suis toujours par mons et par vous à faire plein de choses. M'occuper de mon jardin, parce que là, je reviens pas avec. Alors, il pleut et puis à la fois, il fait beau. Donc, finalement, j'ai pas des tomates. Les tomates, elles grandissent. Les tuteurs sont beaucoup trop courts. Alors, bien qu'on ait mis des grands tuteurs, mais ça suffit pas. Et j'ai des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. Remarquez, c'est bon pour la santé. On se fera des bonnes salades, huile d'olive et mozzarella. Voilà. Je vous embrasse très fort. On se dit à demain pour d'autres aventures si vous voulez bien. Je vous fais de gros bisous tendres. Bye bye!